Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je suis désolée, mais moi je suis en confinement. Tout est confiné chez moi, même moi je suis en confinement avec mes vidéos YouTube. Donc je suis désolée, mais j'ai pas trop filmé. Donc là, j'avais décidé aujourd'hui de vous filmer comment faire le thé marocain. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire le thé marocain. Je parle pas des Marocains évidemment, vous êtes des pros. Mais par exemple, si les Français ou autre nationalité, n'importe qui, même peu importe qui. Ne sait pas faire le thé marocain, je vais vous montrer comment moi j'ai appris par rapport à ma belle famille. Donc voilà, j'ai déjà préparé tous les ingrédients. Donc j'ai préparé ma théière. Donc ça c'est une théière que j'ai achetée dans une boucherie halal. Donc ensuite j'ai de la menthe plantée dans mon jardin, donc de la menthe fraîche. Évidemment vous prenez de la menthe fraîche, bien nettoyée, etc. Bon, celle-ci je l'ai coupée ce matin, je l'ai nettoyée et je l'ai mise dans mon frigo. Donc voilà. Du sucre, moi je vais mettre du sucre de canne et évidemment le thé. Bon, j'ai déjà préparé le thé, je sais plus où elle est ma boîte, mais c'est tout simplement du thé vert de Chine. Donc là, ce que nous allons faire, je vais tout simplement faire bouillir de l'eau dans une bouilloire. Voilà, je vais bouillir de l'eau dans ma bouilloire et je vais mettre le thé. Alors le thé, vous en mettez pas énormément parce que tout dépend de vos goûts. Si vous préférez que ce soit assez fort, vous mettez plus de thé. Si vous voulez que ça soit moins fort, vous mettez moins de thé. Je vous ai dit que c'était du thé vert de Chine, oui je crois. Ça vous le trouvez en grande surface, vous le trouvez pareil, boucherie halal. Après je sais pas, moi je sais que je l'achète à la boucherie halal, mais je sais qu'en grande surface vous pouvez trouver au rayon du monde il me semble. Donc voilà, donc moi je vais mettre une petite poignée de thé vert dans ma théière. Voilà, j'ai rincé ma théière. Donc je vais déjà commencer par mettre le thé avec une main, ça va pas être facile parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc je vais faire les choses et je vous montre au fur et à mesure. Donc déjà je vais mettre mon eau à bouillir. Bon, j'espère que je vais y arriver avec une seule main. Donc ce que je fais, c'est que là mon eau a bouilli. Donc je vais rincer mon thé. En fait vous avez vu, j'ai mis ma poignée de thé. Et je vais rincer mon thé deux fois en fait. Voilà, je vais bien le rincer. En fait, ça enlève un petit peu l'amertume qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc il va falloir le rincer deux fois. Voilà, hop, une première fois. Et... ouh, c'est pas très simple avec une seule main. J'ai dit à Tiziane, viens me filmer, mais elle est partie. Et une deuxième fois, voilà. Donc là, je vais bien rincer mon petit thé. Voilà, donc là j'ai bien rincé mon thé et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter ma menthe à l'intérieur, ma menthe, et je vais rajouter le sucre. Bon, alors tout dépend comment vous voulez que votre thé soit sucré ou pas, tout dépend aussi de la taille de la théière. Moi pour cette théière là, je mets environ 12 sucres. Voilà, oui c'est énorme. Vous avez bien entendu, 12 sucres. Alors attendez, je vais compter, sinon je vais me mélanger les pinceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, une fois que j'ai rajouté mon petit sucre, ben, je vais tout simplement remplir d'eau. Voilà, je remplis d'eau. Alors l'eau, c'est de l'eau bouillie, n'oubliez pas. C'est de l'eau que vous avez préalablement bouillie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre sur mon gaz. Voilà. Et là, je vais laisser en fait... il faut que le thé boue en fait. Il faut que ça boue bien comme il faut pour que ça soit prêt. Mais vous le laissez bien bouillir en fait. Bon, comme vous pouvez le voir, ça boue, hein. Ça boue bien, il faut faire attention de ne pas se brûler. Normalement, je devrais prendre un chiffon. Voilà, parce que vous voyez, ça en fout un petit peu partout. Voilà, je vais laisser finir de bouillir 2-3 minutes et je vais le placer sur mon petit plateau. Mon thé est terminé. Bon, j'avais le plateau. J'ai pas fait de pâtisserie orientale encore. Le ramadan est vendredi, donc là, il faudrait que je m'y attelle. Donc, j'ai mis quelques petits gâteaux dans une coupelle. Et puis voilà, là, vous allez pouvoir servir votre thé. Est-ce que je vais y arriver avec une seule main ou pas? Voilà. Ah, j'en mets un petit peu partout. Par contre, attention parce que la théière est très chaude.
et surtout ne pas vous brûler. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent le Maroc. Je suis au Maroc, ça sent vraiment bon. Voilà, donc normalement j'ai un plateau plus grand, mais là j'ai pas pris un plateau très grand parce que je suis dans ma cuisine, parce que Chahine est en train de regarder les dessins animés dans le salon, et du coup ben je peux pas m'y mettre parce que sinon vous allez rien entendre. Mais voilà, mon thé est prêt, je suis hyper contente parce que ben, ça sent bon, c'est super bon et c'est hyper rapide. Vous mettez ça avec des petites garnitures, des petites cacahuètes, des pistaches, ce que vous voulez. Moi j'ai mis des petits gâteaux pour le goûter et puis on va déguster ça tranquillement avant de manger. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu faire plaisir à tout le monde, essayer de leur montrer comment on peut faire le thé, parce que je porte beaucoup de nationalités. Dites-moi si j'ai fauté. Bon, moi je dis que c'est du thé marocain, mais évidemment il n'y a pas que les Marocains qui font le thé. Ne m'en veuillez pas, mais moi j'ai appris ça au Maroc parce que ben voilà, ma belle famille sont des Marocains, donc c'est pour ça que j'ai cité ce magnifique pays. Voilà, je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé d'abord, et puis mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous aussi tant qu'à faire. Voilà, je vous ferai plein de petites recettes en plus pour le Ramadan. Je vais essayer de voir si je trouve plein de petites recettes pour vous partager, pour les mettre sur YouTube aussi. Voilà. Bon, et je crois que je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.